Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Kiwewe Songhe-Sakrisyon, a reçu mardi 13 décembre 2022 dans son cabinet le chef de défense de l'armée royale belge, l'amiral Michel Hoffmann. Les deux autorités militaires ont échangé pendant plus d'une heure sur la coopération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée belge. La formation des militaires de la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindu au Maniema a été au cœur de cette rencontre. Au sorti de cette audience, l'amiral Michel Hoffmann a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des raffermissements dans les domaines d'entraînement et des formations des unités spécialisées des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, maître Joe Ndekenou, de l'attaché de défense belge, le colonel Eric Smith, des deux chefs d'état-major généraux adjoints des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements et de l'administration logistique, les généraux-majors Ishaliko Zandourou Jacques et Kasonga Sibangou Léon Richard, ainsi que d'autres officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'armée royale belge. Le lieutenant général Tiwewe Songhe-Sakrisyon et sa suite se sont rendus les mêmes jours dans les après-midi à l'état-major de la force navale pour une visite d'inspection et de commandement. Ici, il a été reçu par les chefs d'état-major de la force navale, le vice-amiral Kouyandi Emidi Albert. Un exposé axé sur l'organisation et implantation des unités de la force navale a été présenté. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Tshiwewe Songhe-Sakrisyon, a effectué une visite d'inspection à la force terrestre le lundi 12 décembre 2022. Après accueil, le chef d'état-major général a été conduit au bureau du chef d'état-major de la force terrestre pour un briefing avant de visiter les installations de la force terrestre. Profitant de cette visite du numéro 1 de l'armée, le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asinda Fall a plaidé pour la situation de ses collaborateurs qui travaillent dans un hangar. Le chef d'état-major général a pris acte et a promis de résoudre ces problèmes dans un plus bref délai. La visite s'est poursuivie au mess des officiers où le chef d'état-major de la force terrestre a présenté un exposé sur la connaissance de cette unité, l'ordonnance créant la force terrestre, son fonctionnement, ses missions et ses difficultés ont été abordés par l'orateur. Ce dernier a ensuite évoqué la loi de la réforme, organisant les commandements à deux chaînes, la mise en condition et la mise en œuvre. D'après plusieurs interventions, cette organisation créait une entorse à la bonne exécution des ordres, l'armée étant caractérisée par l'unicité du commandement. Le chef d'état-major général a promis de s'y pencher. Le nouveau commandant de la 14e région militaire a pris officiellement ses fonctions. Le général-major Kizimo Mbuyustaza a reçu l'étendard de commandement domaine de chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asinda Fall. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités militaires, d'un représentant de la maison militaire des chefs de l'État et du commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa. Après la lecture de l'ordonnance nommant le général Kizimo, ses deux adjoints et son chef d'état-major, le lieutenant-général Sikabwe a procédé à la présentation des intéressés aux officiers et à la troupe de la garnison de Kinshasa réunie à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo. Matricule 1-70 99 42 33 016. Général-major Kizimo Mbuyustaza, mon général, à moi, enveloppe, présente le nouveau commandant de la 14e région militaire, le général-major Kizimo Mbuyustaza. Ne travaillera pas seul, comme vous l'avez entendu. Nakati a ordonnance on a outi kota ba adjoint HVCFM et on va faire ça là et longo naie le commandant
le général-major Kizi Mumbui Sada est désormais votre nouveau commandant de la région militaire. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, d'abord des soldats, au côté de le général-major Kizimu remplace à ses postes le général-major Ilondo Efondoigo, appelé à d'autres fonctions. Au terme de la cérémonie, le colonel Kinoa Noura a livré ses impressions. Les impressions sont le bon. Nous avons été honorés parce que c'est le commandant 14e région militaire qui a reçu l'étendard par le chef d'état-major de la SRF. Tout s'est passé comme vous l'avez vu. Moi, en tant que chargé de l'organisation, je me sens flatté et tout s'est passé dans de meilleures conditions. La réunion de prise de contact entre le général-major Cheshima Justine, commandant du corps logistique et le personnel du système informatique de gestion des ressources matérielles des FARDC CIGERM, a eu lieu le jeudi 15 décembre 2022 dans la salle de réunion du corps logistique située dans l'enceinte de la base logistique centrale. L'objectif de cette rencontre a consisté à prendre les premiers contacts avec le personnel des CIGERM affectés dans différentes unités de FARDC. Profitant de cette occasion, le colonel Gama Gamoudou, directeur du CIGERM, a procédé à la démonstration et à la présentation du fonctionnement de ces systèmes, des traçabilités des matériels logistiques utilisés par l'armée. Pour le bon déroulement du système, le commandant du corps logistique a remis des kits informatiques aux officiers de la deuxième promotion du CIGERM affectés à la première zone de défense, au corps des troupes de transmission, au corps de santé militaire et à la base logistique centrale. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu les hommages dignes au général des brigades Opiabonda Nindombe Patrick, commandant la 12e brigade de réaction rapide, décédé des suites d'une maladie le samedi 26 novembre 2022 à Minembwe, au sud Kivu. La cérémonie funéraire s'est déroulée le vendredi 9 décembre 2022 au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa, sous la direction du lieutenant-général Sikabu Asinda Fall, chef d'état-major de la force terrestre, représentant le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo empêché. Voici un extrait de l'oraison funèbre lue par le colonel Ibala Chambong Elvis, chef du département de l'administration de la force terrestre. Dieu a donné, Dieu a rempli l'âme du général Opiabonda. L'âme aux yeux, nous sommes venus saluer et rendre des hommages au service qu'il a rendu à la nation. Le général Opia est mort à 56 ans. Au moment où sa troupe, sa hiérarchie, ainsi que la population de l'Est du pays avaient encore besoin de savoir vous contre les groupes armés. Et vous assurons que nous ne trahirons jamais la patrie que vous avez aimée. Reposez en paix, mon général. Que la terre de vos ancêtres vous soit plus et agréable. Dans son homélie, le colonel Apiatembe Songanjo, aumônier kimbanguiste de la force terrestre, a eu des mots justes pour consoler la famille et exhorter tout le monde à l'amour de Dieu et du prochain pour mériter le royaume des cieux. La mort, c'est une victoire. Puisque mon kino est ton ami na ma bête, qui m'y a exalité quand il a monté. Quand il m'a dit ça, il même tango ya zala qui n'a pas moi. A confondre à moi, ah, moi général, kuna, kaka basoda basali boy. Moi général, kuna, banguna, bakote, iliso boy. Moi général, banda, tongo, tipo. Mutakolala na esengote. Mais quand vous avez peni, vous avez peni, qui total à la sur la Tatanzambe. Le plus grand amour, c'est celui
qui donne sa vie pour sauver les autres. Plusieurs officiers généraux et supérieurs ont pris part à ces obsèques. Après le dépôt des fleurs et recueillement, les cortèges funèbres s'est ébranlé vers la nécropole Academia où repose à jamais le général Opia Bondani qui s'est éteint à l'âge de 56 ans après avoir rendu des bons et loyaux services à la nation sous le drapeau. La haute cour militaire a pris en délibéré vendredi 16 décembre 2022 à Kinshasa l'affaire auditeur général ministère public contre le général-major Ijilayav Jean-Luc, ancien commandant de la base logistique centrale et consorts. La cour présidée par le lieutenant-général Mutombo Katala Tiende Joseph rendra son arrêt définitif le vendredi 23 décembre 2022. Elle a ainsi décidé, après avoir reçu les plaidoiries des avocats de prévenus à l'audience du jour et le réquisitoire du ministère public à celle du jeudi 12 décembre 2022. L'organe poursuivant, représenté par le général-major Bivege Tepinga Solo Jean, avait proposé en ce qui concerne le général-major Ijila, la peine de 5 ans et 6 mois de servitude pénale principale pour dissipation et détournement des effets appartenant à l'État et à l'armée entre 2015 et 2018. Pour les autres prévenus, le maître de l'action publique a sollicité de la cour leur acquittement pur et simple, étant donné qu'ils étaient tous sous le commandement du général-major Ijila. Il s'agit de prévenus lieutenant-colonel Mwanda Kabunda Jean-Paulin, major Kabea Edingu Thomas, capitaine Mutanga Mukunde, adjudant-chef Elenga Mombatu Kami, adjudant Mandumbela Metiana, premier sergent-major Mandoka Elembo Joseph, sergent-major Edingo Banza André, les premiers sergents Mukendi Mayumbo Bernard et Lubaki Dikanda Romain, ainsi que M. Mwambai Mulumba Jean-Claude. Pour produire un arrêt conforme à la loi, la haute cour militaire a demandé au ministère public de déposer ses notes du réquisitoire et à la défense celles des plaidoiries dans le délai légal. Les stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ont effectué jeudi 15 décembre 2022 une visite d'études à l'inspectorat général des finances, conduit par le commandant de l'École supérieure d'administration militaire, le général de brigade Elumba Mongali Kumbu Gislain, ont suivi avec attention un exposé axé sur trois volets, à savoir la présentation de l'inspectorat général des finances, les méthodes de travail et le résultat des missions déjà exécutées. Dans son mot, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, s'est dit honoré non seulement pour le choix de son institution, mais aussi de la confiance et la considération manifestée à son institution. Il a ému le vœu de voir l'inspectorat général des finances et l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo échanger leurs expériences dans les domaines du contrôle et de l'audit financier, de la gestion efficiente des ressources financières allouées à l'armée. Nous avions apprécié l'échange. Nos visiteurs ont voulu comprendre le travail qui est fait par la direction générale de la les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avons échangé en toute transparence. Nous sommes très séparés. Et nous souhaitons à cette partenaire une très bonne carrière et que toute la notion arrive. Prenant la parole à son tour, le commandant de l'École supérieure d'administration militaire, le général de brigade Elumba, a exprimé sa joie et sa satisfaction à l'issue de l'exposé magistral de l'inspectorat général des finances qui a édifié les auditeurs de l'École supérieure d'administration militaire. Je suis plus que satisfait, d'autant plus que pour moi aussi c'était une découverte de certaines choses. Parce que nous avons certaines idées, certaines impressions de ce qui se raconte dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Et cette fois-là, nous avons eu nous-mêmes à palper du doigt, à découvrir ce que réellement l'inspection générale des finances. Le dernier résultat, qui a été attendu,
Il s'y est de signaler que le directeur des affaires académiques de l'école supérieure d'administration militaire, le général français à la retraite, Patrick Perret, s'est dit aussi flatté des efforts fournis par l'inspectorat général des finances pour ses patrouilles financières. Jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant général Tchio Isongesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire de Kitona. Dans son adresse à ces nouvelles recrues venues répondre à la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Tchio a martelé sur la discipline. C'est la discipline. La discipline est allée d'abord pour battre la base de la mission. La discipline envers les cadres. Ce qui discipline les athées, place la yon armée et les athées. Bref, la discipline corporelle. La discipline des exemples incarnés à l'armée d'Abisson. Il faut qu'on ait comme il fait sa discipline dans l'Oignon sur Bonsoir. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et ce qu'il y a encadrement, il y a la recrue. Et ça l'assurer. La réplique est vos ordres bien. Vos ordres bien. Et donc, on propose c'est la moutarde de Satan. Les commandants passent à sa témoin. Délégation de sa témoin. Trois cent quatre-vingt-deux stagiaires, dont 31 centrafricains, ont reçu leur brevet de fin de formation à l'école logistique le samedi 26 novembre 2022. La parade de cette école militaire, située au camp capitaine Luano, a servi de cadre à cette cérémonie. Le général-major Kasonga Tshibangu Léon Richard, chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique, a, au nom de son titulaire empêché, présidé cette cérémonie de remise des brevets et des cadeaux aux heureux lauréats. Dans son mot de circonstances, le chef d'état-major général adjoint a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision d'améliorer les conditions des militaires et d'assurer leur formation continue. Il a également exhorté les récipiendaires congolais et centrafricains de mettre en pratique les connaissances acquises. Dans toutes les écoles militaires à travers le monde, il est dit et reconnu pour des unités militaires que sans logistique, il n'y a pas de combat. Et sans logistique, il ne peut pas y avoir de victoire. Parce que l'environnement professionnel des militaires est constitué non seulement de l'homme qui mène le combat, mais également le matériel et la logistique dans l'ensemble qui constituent les éléments essentiels pour les critères de succès et donc de victoire. Mais c'est ici le creuset, c'est ici les lieux par excellence où l'on forme l'homme qui sera à même d'utiliser les ressources humaines, matérielles et financières afin d'appuyer celui-ci comme l'homme à réussir et à gagner. Je voudrais, à cette occasion, m'adresser brièvement aux stagiaires et leur dire, l'état-major général de nos forces armées vous demande d'appliquer stricto sensu les théories que vous avez apprises afin que les élongations ne soient pas une difficulté, mais un acquis, qu'elles soient transformées en acquis. Que la ligne
De son côté, le lieutenant-général Ruibasira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, a félicité le commandant de l'école logistique et tout son staff pour l'encadrement des stagiaires. Au heureux lauréat, il a exhorté la mise en pratique dans leur carrière professionnelle des enseignements reçus. La session 2021-2022 qui se clôture aujourd'hui est bien un motif de fierté pour les commandants de l'école logistique avec ses équipes d'encadreurs et d'instructeurs qui ont une fois de plus donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les objectifs de formation soient atteints. Pour cela, je félicite les commandants de l'école et son staff. Quant à vous, chers lauréats, vous devez savoir que vous êtes attendus dans les unités pour mettre en pratique ce que vous avez appris ici pour booster les capacités logistiques de nos forces armées. Ceci, évidemment, constitue une recommandation tant aux lauréats congolais qu'aux partenaires des forces armées centrafricaines. Premier à prendre la parole, le colonel Landumbunga Casimir, commandant de l'école logistique, a recommandé aux lauréats de garder toujours haut les flambeaux de l'école qui les a formés partout où ils seront. Il a, par la suite, retracé l'historique de l'école sous sa responsabilité avant de donner les résultats enregistrés. Toutefois, en soulignant les difficultés rencontrées et en proposant des pistes et des solutions aux autorités hiérarchiques. La promotion à l'honneur a été baptisé promotion Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sa marraine, qui s'est présentée au début de l'après-midi pour honorer ses fiels. Madame la ministre Séraphine Kiloubou les a remerciés pour le choix porté sur elle comme marraine de la promotion. Elle a saisi de cette occasion pour exhorter les lauréats au respect des instructions données par leur chef. Vous avez à me choisir comme votre marraine, comme votre maman, comme votre mère. Il y a eu beaucoup d'obligations aujourd'hui et le Seigneur a fait grâce pour que je puisse quand même accomplir le tout. Je voulais ici dire par rapport au travail que vous aurez à faire, la logistique, c'est le cœur même de l'armée. Vous le savez plus que moi. Et vous avez choisi de vous-même pour que vous puissiez travailler sous les drapeaux. Il y a une autorité qui disait à tout moment, qui suit les instructions, pêche loin. Retenez ça. Partout vous serez, dites-vous, maman nous a dit, qui suit les instructions, à la fin de la cérémonie, quelques lauréats ont livré leurs impressions. J'ai beaucoup de joie d'avoir ennuyé pendant la formation et terminé comme lauréat en spécialité de quartier. J'ai beaucoup de joie parce que lorsque auparavant j'ai travaillé sans brevet, sans qualification, sans papier, parce que je suis un officier, je dois faire l'effort pour obtenir aussi les papiers. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce à travers le chef d'état-major général des gendarmes, Léon Richard Casson. Je suis très content d'avoir ce jour. Je remercie premièrement le bon Dieu qui m'a donné la force, le courage, la volonté, la sagesse d'étudier pendant une année au mieux plus. Ce n'est pas facile. On est venu seulement pour faire 9 mois. Mais à cause de Covid-19, on a fait 1 an et 9 mois. Vraiment, c'est grâce à Dieu, on a réussi ce diplôme.